Solidarité. Et pour j'aime, j'aime. 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 Solidarité. Et contre Macron, contre la sagesse. Faites un maximum de bruit en solidarité à Geneviève Le Guay. Il faut s'entraider. C'est l'entraide. Yann de Désarmoulay a été libéré. Suite à cette occupation, 19 personnes sont actuellement en garde à vue au commissariat du 9e arrondissement. Il y a depuis 19h donc un rassemblement devant ce commissariat au 5 rue de Parme, métro Liège. Je vous invite à vous diriger vers le commissariat du 9e arrondissement au 5 rue de Parme, pardon, métro Liège. Bonsoir à tous, alors moi c'est Florent Carpentier, de Révolution Permanente, ou... ce soir pour intervenir au nom de Milfait Redouane, qui est la mère de Zineb Redouane et qui en fait a souhaité rédiger un petit message de soutien pour Geneviève et à la fois pour rappeler en fait la mémoire de sa mère, notamment suite aux déclarations d'Emmanuel Macron. Donc, je vais vous lire ce message qu'elle m'a envoyé tout à l'heure. Le 2 avril, nous serons à 4 mois du décès de Zineb Redouane, ma mère. Mais moi, je suis restée au 2 décembre. Tous mes jours ont la même date. Le temps s'est arrêté pour moi à cette date. Ma mère est morte ce jour-là. Et depuis, c'est chaque jour que je meurs, le silence.